Bonjour, je vous présente le Lotus Bleu de Marcel. Marcel, peux-tu nous présenter ton bateau, s'il te plaît? Oui, bonjour. C'est un chalutier des années 60, pêche latérale, construction sous bois. C'est sur un plan de MRB, pour ne pas les citer. Il est au 1/15e, avec tous les feux de navigation, les feux de pêche fonctionnels, bruteur diesel, lecteur CD à l'avant sous le pont avec un ampli pour avoir le bruit des mouettes ou des chants de marins. Il y a la fumée, évidemment, le fumigène. Vous pouvez vous dire plus que j'ai mis 9 mois pour le faire. Il mesure combien? 1,26 m. Et il pèse 26,4 kg. Ah, c'est un beau bébé, hein? Voilà. Allez, vas-y, promène. Attention. Allez. Tous ceux, ouais. Voilà. C'est un gros bébé, il rentre pas dans mon écran. Hein. J'admire la précision des détails. Il est à quelle échelle, rappelle-moi? Au 15e, d'accord. Un 15e. Quand t'as sous-marin, non? Ouais. Attention au sous-marin. Oui, oui. T'es pas à pleine vitesse là? Non. Ah bon? Reviens vers nous, c'est pas la peine de s'éloigner. Les feux s'allument avec la radio ou avec la radio commande? Il y a un interrupteur 7 fonctions. Ah oui, d'accord. De chez Conrad, là. D'accord. Et j'allume les feux de navigation avec la cabine. Les projecteurs avant, les projecteurs arrière séparément. Les lampes à roues, bâbord, tribord, ils s'allument séparément aussi. La fumée se déclenche. Ouais, je la vois, oui. Le sous-marin prend des risques à passer derrière nous. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de place, là, hein, entre le zoo. Ah, il est vraiment très beau. Bah écoute, hein, c'est un vrai plaisir que de voir ce beau bébé de 25 kilos quasiment évoluer sur l'eau. Pendant que les douanes françaises sont en train de faire la manœuvre. Hein. Allez, fais-moi un petit passage devant moi, s'il te plaît. Ouais, j'y vais. Je vire. Qu'est-ce qui ressemble à ton deuxième prénom? C'est ses désirs. Il est quoi, hein? Formidablement réaliste. Eh bien écoute, je suis ravi de l'avoir vu aujourd'hui et je suis ravi de le partager avec nos amis. Au revoir les amis.